Hello tout le monde, c'est Barre de Fer, comment allez-vous? Moi personnellement ça super, aujourd'hui on se retrouve pour un petit Hunger Game avec le kit Paladin. Donc c'est un kit qui fait spawner avec un plastron en fer et des bottes en cuir et une épée en cobble. Donc voilà. Donc là je commente en off, donc là vous pouvez voir que j'ai fait des petits accélérés. Et là voilà, vous voyez le fight, hop, je le tue, ensuite voilà son allié qui était en dessous. Voilà, je me le fais aussi, bon, les deux n'avait pas d'épée, donc c'était un peu plus facile. Donc dans ce gameplay, j'étais accompagné de Strizzy qui va m'aider pendant une partie du gameplay. Parce que là, pour l'instant, il n'était pas encore là. Et c'est parce qu'il... je me rappelle plus. Et c'est après que je lui ai dit que... Quand je lui ai dit que je faisais un carnage, il m'a rejoint, il m'a expliqué tout ce qu'il y avait. Donc là... Je m'étais fait 3 gars, il y avait eu un peu un méli-mélo de plein de trucs. Et il y avait un invisible là en bas que j'avais vu sauter. Et donc là, je vais lui tirer une flèche et il va mourir direct quand je lui en mets une seconde. Donc voilà, c'était assez sympa comme action. Donc j'avais le texture pack de l'Axe Boy, donc le Dark Pack comme d'hab. Enfin comme d'hab, ces gameplays je les ai tournés il y a assez longtemps, comme je l'avais expliqué dans le dernier Hunger Game. J'ai plusieurs Hunger Games d'avance, ça c'est cool. Donc voilà, donc j'avais encore le texture pack de l'Axe Boy, mais depuis j'ai changé, j'ai pris le texture pack de Cozy. Donc attendez, il y a encore un avec deux gameplays avec celui-ci, et ensuite les autres gameplays sont avec celui-là de Cause, parce que quand je les ai tournés, Cause n'avait pas encore sorti son texture pack, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, là voilà, là il y avait des gens bizarres là avec leurs échelles. Je sais plus à combien de qui j'étais, je crois que j'étais vers les 4 ou 5, voire 6. Donc là je savais pas quoi faire. Non là j'étais à 5, voilà. Je savais pas trop quoi faire, donc je me suis un peu protégé. Et au final il y a quelqu'un qui va arriver par en haut et que je vais réussir à me gérer. Tant mieux d'ailleurs. Donc oui. Donc là la musique de fond, c'est bon, la plupart connaissent, mais bon, c'est Bruno Mars, When I Was Your Man. Donc quand j'étais ton copain, parce qu'il parle de sa copine qu'il a lâché. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je kiffe cette musique d'ailleurs. Elle claque. Donc là, je l'ai fait plutôt un beau shot. Donc c'est assez cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre de spécial à dire? Je sais pas. Je suis presque à 3400 abonnés. C'est énorme. Merci à tous. Hein. Je sais pas trop quoi dire. Je vous remercie tous, c'est énorme. Ensuite là bon, je retourne vers eux, là ils ferment. Donc je vais commencer à miner, tu vois. Et là en fait ils vont se boucher. Strizzy me disait qu'ils étaient bouchés, ils étaient en train de remonter. Je me suis assez dépêché et je vais essayer de remonter en même temps qu'eux. Et au final, ben, je sais pas ce qu'ils faisaient, ils remontaient beaucoup moins vite que moi. Donc ça m'a été bénéfique. Donc voilà, la première musique est finito. La seconde, la plupart connaissent aussi, voilà, je vous laisse deviner, je vous dis pas le titre, mais il vient de le dire, voilà. Là, il vient de le dire. 3 fois, 4 fois, 5 fois, il a dit 4 fois. Là, il le redit 4 fois, voilà. Donc maintenant, vous avez le titre. Si vous ne savez pas duquel je parle, c'est que vous êtes vraiment des nuls. Donc là, la team de 2, que je vais me faire avec de la chance, il me restait 2 coeurs. Donc pour ceux qui connaissent pas le titre, c'est Black and Yellow de Wiz Khalifa. Voilà, tout simplement. Ça fallait pas chercher très loin. Maintenant j'aime bien mettre des musiques assez connues, parce que maintenant que j'ai trouvé le truc pour pas avoir les copyrights, c'est assez cool. Ça permet de pouvoir mettre des musiques assez connues, assez entraînantes, sans avoir de copyright, et ça c'est vraiment nickel, franchement. Et si on regarde, c'est quasiment le même son, donc c'est assez cool. Et comme ça, les robots de YouTube ne détectent pas ces musiques comme un copyright, voilà. Donc là, il va y avoir un grand moment d'accélérer. Parce qu'en fait, je poursuivais les deux gars, je crois, à peu près. Et
Ben au final, quand je vais arriver vers eux, je vais. Enfin, le fils va apparaître, donc je vais aller au fils. Donc c'est un peu un moment assez inutile. C'est pour ça que j'ai mis vraiment un gros accéléré, parce qu'au départ l'action elle durait je crois 10 minutes juste de faire ça, et je l'ai accéléré pour en faire que ça dure que 4 minutes. Bon, c'est pas encore énorme, mais je voulais pas faire un trop gros accéléré non plus. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas grand chose à voir sur ce gameplay. Enfin si, c'était avant, maintenant c'est surtout de la course poursuite. Donc voilà. Donc je vais vous dire, mais l'arrêt des notes a été aujourd'hui, voilà, mercredi. Enfin pour quand je sortirai la vidéo. Mercredi, là j'ai eu mon arrêt des notes. Donc ça veut pas dire que je dois arrêter de travailler, hein, pour la plupart. Ça veut dire juste que mes contrôles c'est fini, donc j'aurai peut-être un peu plus de temps pour faire des vidéos. On verra, mais en tout cas mon arrêt des notes c'est fait, et donc c'est assez cool. Ça veut dire que voilà, c'est presque la fin de l'année. Enfin bon, il reste le brevet encore, hein, on va pas non plus dire que l'année est finie. Il reste le brevet qui est le plus important de l'année. Sinon moi niveau scolaire tout va bien, hein, j'espère que vous aussi pour cette fin d'année. Pour ceux qui vont avoir le bac, je vous souhaite une bonne chance. Pour ceux comme moi qui vont avoir le brevet, je souhaite aussi une bonne chance. Ne vous inquiétez pas, hein, faut pas stresser pour ça, sérieusement. Moi je trouve que les gens qui stressent pour ça, c'est un peu inutile. Parce que c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est. Si on croit en nous, on réussira. Et moi je crois en moi, donc je réussirai. Et ouais les gars. De toute façon moi j'ai déjà mon brevet de. J'ai déjà mon brevet d'office, parce que j'ai eu. Des bonnes moyennes tout au long de l'année qui m'ont fait avoir des points. Et au brevet blanc, j'ai eu des excellentes notes, ce qui m'a permis d'avoir mon brevet d'office, et mon IDA aussi qui m'a bien aidé à l'avoir d'office. Donc c'est assez cool. Maintenant je vais essayer d'avoir une mention tout de même, hein. C'est plus cool d'avoir une mention. Donc voilà, là la musique finie. Donc là vous voyez que j'ai fait Ali avec un gars, parce que j'étais vraiment en déche de vie et je savais pas quoi faire, donc j'ai fait allier avec lui. Donc vite fait, une petite dédie à Strizy pour m'avoir aidé pour le gameplay, et aussi une dédie que je devais depuis longtemps. Il va être content, lui. Ça fait 2 mois que je lui devais cette dédie, à chaque fois j'oubliais. C'est pour XX Elite 95XX, donc un mouton. Voilà. Donc là, il y a la troisième musique, c'est Sur ma route 2, Black M. Voilà. Je savais pas quoi mettre en troisième, donc j'ai mis ça. Hein. Au début, je voulais mettre Kaaris, mais je me suis dit, pas forcément tout le monde aime Kaaris. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, on était en train de poursuivre le dernier gars qui restait. Et il va me le piquer sadiquement. Donc là, j'étais à 9 kills. Et il va me le piquer. Donc, entre guillemets, j'aurais dû avoir 10 kills. C'est dommage. C'est dommage qu'il m'a piqué. Regardez sa flèche là, juste devant. Pouah, j'étais dégoûté. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui. Donc, niveau vidéo, samedi, il y aura un ZK Games. Mercredi prochain, il y aura un MCPEP. Je crois que c'est mercredi prochain ou samedi prochain, ce sera un MCPEP. Et samedi prochain ou mercredi prochain, ce sera un ZK Game, on verra selon l'organisation. Donc voilà. Et après, si je peux réussir à faire d'autres vidéos, on verra. Donc là, va y avoir le petit 1v1. Donc GG à toi, hein, XPD, t'es un bon joueur. Je sais que t'es un abonné, et voilà, GG à toi. Après, pendant la semaine qui est passée, là, du temps que j'ai filmé, et ben je le croisais tout le temps en Hunger Games, on faisait tout le temps des petits tallies, et à chaque fois il m'impressionnait parce qu'il jouait bien. Donc là, vous voyez que là j'étais low HP, il essayait de me flèche, donc là je vais me heal. Je vais me régène. Lui aussi il était low HP, hein, il était mal. Donc là je me suis dit bon allez je rush, parce que Strizy m'avait dit comme quoi il était low HP, donc hop, je mets une instant damage. Et là voilà, hop. Là j'ai vraiment eu peur, hop, un demi-cœur. Et là, bim.
J'avais stressé, hein, je vous le dis, vous pouvez demander à Strizy, j'avais stressé. Donc moi, je vous dis merci à tous d'avoir regardé, on finit sur un total de 11 kills, enfin 10 kills et 11 s'ils m'auraient pas piqué mon kill. Je vous dis merci à tous, moi je vous dis à la prochaine et ciao, bye bye.